Déjà, la première chose, je voudrais rappeler qu'Alzheimer, nous avions abordé question de famille. Ensuite, s'en est suivi donc la plateforme Alzheimer. Et la plateforme Alzheimer donc, était ouverte à toutes les personnes qui étaient confrontées au niveau des aidants avec des malades. Alors, je voudrais quand même rappeler le concept. Disons que les aidants pouvaient téléphoner à cette plateforme 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et là, vous aviez des spécialistes qui répondaient aux questions et donnaient les orientations. Je voudrais également rappeler que Alzheimer, eh bien, c'est 20 000 personnes qui sont touchées par Alzheimer. Et pour le futur, eh bien, disons que c'est 4 000 personnes qui seront également touchées tous les ans par Alzheimer. La politique du Conseil général est très importante en matière de solidarité et le président en la matière axe tous ses efforts sur ce genre de maladie et notamment cette dépendance et qui fait que comment nous consacrons beaucoup de budget au niveau de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore donner les résultats. Ils seront donnés au mois de janvier prochain, mais sachez que le nombre d'appels téléphoniques, je pense, par journée, s'échelonnait jusqu'à 6, 7 appels par jour. Voilà ce que je voulais vous dire.